Et boum. Et boum, boum, boum. Et voilà, nous sommes en live. Voilà, sur Pokémon Go, putain. Avec la petite fraise, voilà, je suis avec la fraise. Notre premier live ensemble, en amoureux. C'est trop mignon. Voilà, et elle porte pas de culotte ? Aussi, j'en ai une. Elle est prête pour la capture. Avec mon vieux t-shirt tout pérave. Elle cherche à m'attraper. J'ai bien soutien gorge. Attends, je prends la Pokéball. Et... voilà, elle cherche à attraper le Black Issue. Donc voilà. C'est qui cette top et Strass? Y a Jinsuri, je sais la synchroniser avec Théo. C'est qui cette top? Bah écoute. Je pense que. Écoute, n'oublie pas Strass que Fraise est toujours. Je suis toujours modo. Voilà. Elle a toujours quelque part le pouvoir. Vois, ça. Hop, donc, le petit coup de pression. Épée. Salut Adri du 832. Ça va pas. Tac. C'est pas ça que je veux faire. C'est ça que je veux faire. Boum. Et je vais monter ton son. Voilà. Voilà. Alors, re tout le monde. Donc, on est qui là? Et dis-moi, il n'y a pas moyen que tu me fasses un partage d'écran comme ça, je t'ai en direct pendant que je te guide. J'ai vu que j'ai la map sur le truc en même temps. Alors, j'espère que ça ne va pas. On va tester. Partage d'écran. Ouais, c'est ça, Trast. Alors, tu sais que à une époque, on avait la chasse aux noobs sur un chat qui était un chat de quiz. Les gens, ils arrivaient, ils faisaient « Oui, comment on fait pour lancer le chat et tout ?»« Et puis, comment on fait surtout pour lancer le quiz ?»« Ah bah, c'est simple, hein !»« Et bah, tu sais ce que tu fais ?»« Et bah, tu fais Alt+F4 !» Et on fait les comptabilisations comme ça. Et puis, à l'époque, il y avait encore Windows 98 et t'avais des points bonus quand t'arrivais à faire le double contrôle Alt+Supr. Et ça, il n'y a que le journée avant Mire qui peuvent comprendre. Alors du coup, tu vois bien? Ouais, oh là, c'est trop grand. Ok, je vais essayer comme ça. Ah bah en fait, t'as pas besoin de la map, t'as le... Tu navigues via Google Maps. Non, en fait, la map, je suis obligé de la laisser ouverte pour le système de déplacement avec les flèches. Si je ferme la map ne sert strictement à rien. Parce qu'elle se met même pas à jour en live. Ah ouais. Et donc ça sert strictement à rien. Donc je suis obligé d'aller sur Google Maps à côté quoi. Je suis obligé de la laisser ouverte. Sinon si je l'enlève, il me téléporte à Sydney. D'accord. Et là je suis soft ban du jeu pendant une ou deux heures je crois. Ça fait mal. Oui, on n'a pas envie. Pas tout de suite. Non, pas du tout. Voilà. D'ailleurs, donc, tu veux pas allumer ta cam, Black? Parce que moi j'ai mis ma cam et toi t'as pas mis la tienne. Mais alors attends, je te fais le partage d'écran là. Tu m'étonnes, elle est intéressée. Bah non, je veux voir ta bouille, actualisée. Parce que les photos qui ont moins 5-10 ans, c'est bon quoi. Moi aussi je peux jouer, hein. Moi aussi j'ai des photos d'il y a 5-10 ans. Alors par contre, j'ai mon micro qui gêne. Bonne nuit, man Eric. Ah oui, du coup lui il va se coucher. M'étonne pas. Mettre ma webcam ici. Vous verrez de jouer avec ma fraise, moi. Du coup, j'ai mon gros micro qui gêne tout. Là. Alors, est-ce que je peux partager les deux? C'est ça le truc. J'aime bien Shrigon. Bah, Black, c'est pas qu'un cochon cornu qui se cosplay. Mais dans une convention, si Black est, il faut faire « Suivez le cochon !» Oh, c'est limite. Les mecs voient un tout petit bout de ma webcam. Putain, t'as la tête de mon pote Xav. J'hallucine. Mais tu m'avais déjà vu, non? Non, mais pas avec cette coupe-là. Je t'avais vu avec la coupe de Littlefinger. D'ailleurs, faut que je me coupe les cheveux. Ça devient un peu n'importe quoi. Alors...
Oui, regarde, regarde, j'ai joué avec ma fraise. Ça, c'est pour Scorpad. C'est dégoûtant. C'est dégoûtant. On s'en fout, c'est minuit. Ouais, c'est minuit passé. Est-ce que et si on jouait à Pokémon? Non, je ne sais pas. Hein. Je... Écoutez. Bah vas-y. Donc t'étais au jardin des plantes. Ah là, je suis au jardin des plantes. Alors, bah, ramasse déjà le Poké Center à côté là. Chope des trucs. Ouais. Va chercher Bonheur. T'as fait imploser d'autres œufs ou? Non. J'ai pas touché. J'ai pas touché. Hein. Bah vas-y, regarde, fais des kilomètres, trace. Ouais, alors je me mets juste la map. Santé les gars. Et où est-ce qu'on va alors? Aujourd'hui? Bah de nuit, j'ai bien envie de tenter le cimetière. Ah attends, il est où ce cimetière? Alors le cimetière, c'est le cimetière Montparnasse. Alors je te dirais bien de prendre le métro pour atterrir à Raspail, mais tu peux pas. Donc en fait, il est sur ta gauche. Et ensuite, il faut redescendre un peu. Il est à côté de la Fondation Cartier de l'Art Contemporain. En fait, il faut passer par Place Monge. Ouais, mais bon. T'as vu, je suis où, là? Mets la ceinture à droite. Voilà. Ah, non, excuse-moi. Ta droite. Pas cette droite, l'autre droite. Ok. Voilà, donc en face, logiquement, ça devrait être la Tour Montparnasse. Tire à gauche, en fait. Gauche. Ouais, vers le... Va vers l'arène, là-bas. Bon. Ah, ok, d'accord. Ouais. Dans le nord, c'est comme ça. Ouais. Non, de l'autre côté? Ouais, vers l'arène. Ouais, parce que tu veux... Ici, un peu au sud-est du jardin de Luxembourg. Toum, toum, toum. Ah, il faut que je check les œufs aussi. Bah ouais. C'est quoi? Des Nasters? Ah, mais ça, tu sais ce que c'est? Ça fait penser à la garderie d'Ivry. Ils en ont les pareils. Ah ouais, mais là, on est vachement loin, là. Ouais, mais ouais, t'es plus sonore, mais hein, ils ont le même principe. Mais ta tête, tu dirais trop Xav. On dirait trop Xav. Voilà, je ressemble à Xav. Ça doit être un garçon très charmant. Je te jure. Non, mais j'hallucine, quoi. T'as la tête de Xav, quoi. Oh, sérieux. Attends, je vais faire une capture d'écran. Faut trop que je monte, quoi. Attends, je lance Fastone Viewer en même temps. Donc, il y a un très très bon logiciel de visionneuse pour regarder des images et surtout lire des mangas en scan au passage, les gars. Fichier. Alors, les œufs. Là, je suis à 1,1 km sur 5. Donc, il va falloir en parcourir des kilomètres. Eh ben oui. Pense à ton cardio, c'est bien. C'est quoi ce pic à vache, Elzanus? Salut, Elzanus. Elzanus. Alanus. Alanus, oui. Morisset. Aslanus Morissette. Oh, c'est quoi déjà ça? Atrium. Un roucoul. Ah oui, parce qu'en même temps, je suis avec le... Un petit roucoul pour la route. Bah bientôt tu vas pouvoir avoir un roucoups. Tu vas pouvoir le faire évoluer à force. Ah oui, bah attends. Oui. Combien j'ai récupéré là déjà? T'as combien de bonbons? 51, il en faut combien pour le faire évoluer? 12. Bah vas-y, attends, il faudrait que tu regardes toutes les CP, tu prends le plus fort en CP et puis tu le fais évoluer. Ou alors attends d'en avoir masse et puis vraiment... genre 42. À la fin de ce stream... Ah, on peut le tourner, j'avais pas vu! Oh, c'est mignon! Ah, l'étoile, c'est pour le mettre en favori. Je sais pas si j'aurai le niveau pour faire des arrêts. Bah, moi, je me tâte à installer ton truc là, pour au moins repérer les zones autour de chez moi. Je me dis, c'est trop galère. Bah, ouais! De toute façon, vu que j'ai ça. Hein. Ce qui est bien, c'est que tu peux récupérer ton compte après sur le téléphone. Hein. Sérieux? Ah bah oui, c'est compte Google. Eh ouais. Donc moi, mon compte, là, je l'ai installé sur mon téléphone portable, au cas où. Tu vois, ouais. Du coup, aujourd'hui, je me suis amusé à regarder si j'avais pas... J'en ai chopé un dans le bureau. Je sais plus ce que j'ai chopé. Un ratata, je pense.
Ah, t'as Jussieu! Ok. Oh putain, t'es encore loin du cimetière si t'as Jussieu là. Ah, mais t'es remonté au nord si t'as Oui. Jussieu là. Enfin, ouais, plus vers l'ouest. Parce que là, on... Alors attends, si t'as Jussieu. Putain, il était bien le Games à côté de Jussieu à l'époque, mais maintenant il a fermé. Alors attends, cette arène-là, on est où du coup? Un Rokul 5-5, j'avais pas vu. Un Rokul légendaire, mais on les voit, c'est quoi la différence des légendaires? Mais il n'y en a pas en fait, c'était une vanne. Ah. Et après, je sais même pas s'ils ont implanté les shiny. Dans le recoup, c'est comme le Rattata, c'est comme le Magikarp, c'est ultra commun quoi. C'est D'accord. comme le bar Animal Crossing en fait aussi. Il n'y a personne pour gérer les commentaires? Ben si, on est là, hein, t'inquiète. Hein. Bah si. Et puis il y a même il y a Spécimen qui est toujours là. Je Alors. pourrais remettre Underlitz. Bah oui, Si on est là. Underlin, Ah c'est oh, c'est quoi ça? C'est un nouveau. Un Raticate. cool. Ouais, c'est l'évolution de Rattata. Rattata, il me semble. Merde. Loupé. Mais moi, comme je te dis, je me suis pas amusé à apprendre les 500 Pokémon par cœur, quoi. Zut. Ah oui, alors ce qu'il faut savoir, ça c'est arrivé aux frères de. D'Alpha, c'est que des fois, quand tu peux renvoyer des Pokémon. Et l'autre fois, il avait son frère discutait avec des. Il était dans un parc, des gamins, ils venaient de relâcher un Pokémon qu'ils avaient fait évoluer. Et il a repop devant lui, et il l'a réattrapé derrière. Oh, c'est bon ça. Bah ouais. Et les autres, ils étaient vénères qu'il les rattrapait devant eux, quoi. Tu peux rattraper un Pokémon. Et ouais. En fait, pourquoi tu m'avais kick? Je n'ai pas payé. Oui, t'as pas payé. Suce-moi. Tout de suite. Attends. Ok. Oh putain. Pardon. C'est, on parle de sucer, elle se met à la sucette. C'est du joli. Pour réussir un bon stream et pour faire de la vue, il faut une sucette et une chatte. Bon, sauf que ma chatte là, elle dort, donc il me reste que la sucette. Oui, réveille Tu pas vois. ta chatte, laisse-la se reposer. Elle en Elle a est bien super bavé chouette. cette semaine. Allez, tise ta bouche. Alors, t'es où là? T'as la Et fraîche je ou t'es suis toujours à au Jussieu? buisson ardent. Au buisson ardent. C'est quoi le truc? Revive. Ah hein ça doit être un objet d'arène le revive. Du coup, putain, l'arène prend toute la place. Là, je vois pas où je suis. T'as un jardin de Luxembourg en plus, t'as une zone d'eau aussi, c'est pas mal ça. Alors, attends, je dézoome. Les Pokémon eau. On place T'en celle-là. remets-toi la scène à l'est. Attends, là, j'ai mis le nord. Là, Ouais, attends. là j'ai mis le nord. Ah, ok, je vois. Je suis au bord de l'université, là. Je suis au coin. Ouais. Je suis sur En la rue fait, Jussieu. si tu tires tout de suite sur la gauche, ouais, t'es à métro Jussieu. Si tu tires sur la gauche, tu peux aller au palais du Luxembourg. En plus, t'as de l'eau là-bas, t'as de la flotte, donc Pokémon à quoi? Puis tu feras du. Ah mais du coup on peut rejoindre... Ah mais... Bon bah go le palais Choupa. du Luxembourg. Je ne prends que des Choupa Coca. Et en fait, dans le pack, t'as Coca et Coca Lemon aussi. Ça, c'est pour répondre à... Opaque. Non, mais Strass, oui, c'est Ashrigon qui posait la question. Mets ta sucette dans ta chatte, vas-y. Bon bah écoute. C'est réglé, on n'en parle plus, on n'en parle plus. Voilà, elle est couchée, chaussette. Et je vois pas pourquoi on lui mettrait une sucette. Tu as des comportements bizarres avec les animaux. Mais je pense que je mettrais face à Chaussette, il ferait moins le malin. Surtout 5 doigts en main et une main. C'est longtemps qu'il n'avait pas été time out, le Strass. Petite Il m'en piqûre de faudrait plus. rappel. Hôtel Lebrun, je suis très content. Mon bague est full, je suis encore plus content. Oui, je me balade, oui, je me balade. Et nous nous baladons.
Tralala, schtroumpfalala, tralalala. Office public des habitations de Paris. Ça, c'est une adresse qu'il faut garder, les gars. Parce que si vous allez habiter à Paris et que vous n'avez pas de logement, il faut aller les voir. En fait, Fraise, c'est Oui, Guy les bons faut bien tuyaux, commencer. mais de Paris, quoi. Oui. Parce J'ai vécu 4 ans et demi. côté de ça, elles vendent de la schnouf. De quoi je vends de la chenouf? Ça, je rigole. De quoi je vends de la chenouf? Je peux vous procurer du plaisir en même temps que de vous faire parcourir la ville. Ah bah oui. Non mais t'as des bons restos à Verjussieu. T'as un super bon kebab aussi. Italle de Biscafé, tenu par Spiro, un grec. Si t'es une meuf et que t'as forte poitrine, y a une chance sur deux que tu boives à l'œil là-bas. Sachant qu'il sait lui que c'est à côté du paradis latin, messieurs, l'été, et bah il y a des danseuses du paradis latin qui squattent toutes là-bas. Elles sont toutes en micro-jupe. Tu Donc m'étonnes. voulez-vous rincer les yeux, vous allez boire des canons l'après-midi. Puis le speaker du paradis latin, putain, il est énorme le mec. Le mec, il doit avoir quoi, 60, 65 ans. Enfin, à l'époque, il avait 60, 65 ans. Puis il a connu la belle époque, Saint-Tropez, avec Brigitte Bardot et tout. Il avait toujours des histoires à nous raconter, quoi. Trop fort. Des histoires juteuses. Oh, bah, J'en suis croustillantes, même. sûr, ouais. Bon, allez, on est 12 viewers, les gars. Ouais. On passe à 30 viewers. Objectif. Tu penses qu'on peut battre leur corps? Oh, mais c'est bien tout ça. J'ai pas envie de tester une arène pour voir, même si je perds, je m'en fous. Attrapez-les toutes, Pokémon! Oh, et j'ai plus d'encens, moi, une connerie de ce genre. En sang. Il m'en reste un, vas-y, j'active. Oh, si. Bah, les steaks. Je veux les Pokémon. Mais je suis pas loin d'avoir fini le jeu, hein. Je suis. Olé olé. Bah oui, je serais con, attends, si tu savais. Mon ami, si tu savais. Attends, 102 sur 200. Pourquoi 102 sur Le 250? ratitac là à Allez, 205, viens, ça fait pas suis-moi! mal. C'est plus fort que toi en plus, en CP. Le ratitac? Ouais. Tu Ah t'es ouais, attrapé CP tout à l'heure. 215. Ouais, Attends, 200. mais. Ouais, 102 sur 250, il n'y en avait pas. Attends, c'est Pokédex qu'il faut que j'aille voir. Ah voilà. Voilà, j'en ai 19. Ah oui, J'ai presque fini le sache, jeu. aujourd'hui, le premier level 30 à avoir complété le Pokédex, c'est un Américain. Ouais, et je crois qu'il lui en manque un, je crois. Salut, Sasprom2 MC10. Avec une question sur Pokémon Go sur ma chaîne. Puis-je mettre le lien ici? Te plaît. Alors, première question, SaspRoDMC, est-ce que tu es puceau? Oui. Est-ce que t'es puissant? Putain, elle a pas oublié. Ah non. Bon, on T'as quel m'appelle âge? l'armoire normande, monsieur. T'as quel âge? Je vais faire un tirage au sort Si avec tu une as plus de question 30 ans, sur es-tu Pokémon célibataire? Et es-tu mignon? Go. Est-ce que t'aimes la chatte? J'ai 28 ans et une copine. Bon, bah, tu sors. Tu sors. Voilà, tu Voilà. dégages. Déjà, t'es trop jeune et en plus, t'as une copine. Fous la merde. Ça marche pas. Tu n'as pas compris que Bon, nous sommes ici. attends. Ta nana, attends. Là, je viens de lire un truc qui va me choquer. Elle a vu pour la première fois Totoro à 28 piges. Parce que je suppose qu'elle a plus ou moins 28 piges. Mais c'est scandaleusement scandaleux, quoi. Elle a peut-être 19. Ah putain, enfoiré. Enfoiré, tu vas Ah, mon rentrer petit rêve. là-dedans. Allez, allez, Oh allez. putain. Non, mais il faut bien que tu sentes la visée. Stop! Mais j'essaye. Après, le téléphone, il faut le secouer à ce moment-là. Mais c'est pas un téléphone, tu vas pas secouer ton PC comme ça, ta tour. Si, je pourrais. Tiens, comme ça. Bon, t'as commencé par Totoro. Il faudrait que tu passes par le tombeau des Lucioles. Ça se promène DMC. Ensuite, au niveau lecture, il faut qu'elle passe par la case Gun, Akira, Ghost in the Oula. Shell, Oula. Appleseed. Pas très girly tout ça. De quoi? Akira. Bah, Gun. Akira, quoi. C'est la base. Oui. C'est la Mais bon, base. c'est déjà bien loin de Totoro là. Ah oui, mais bon, Totoro, ça, c'est aussi la base.
avec Mononoke Hime et Château Ambulant et bah, tous les Miyazaki de toute façon. Ah oui, tous les Miyazaki, ouais. Eh non, mais tout ce qui se fait maintenant, de toute façon, les One Punch Man, les trucs comme ça, voilà quoi. Mais c'est vrai que moi-même, j'en ai vu plein. Et pareil, Totoro, c'est pas celui que je me souviens. J'ai dû le voir une fois, mais je m'en souviens pas du tout. Bon, ma blague, sur ce, c'était un très bon stream. Mais je sais Je qu'il est crois bien, mais je que. l'ai vu il y a très longtemps et je m'en souviens plus du tout. Mais j'avais adoré avec Jean Reno qui avait fait la voix là. Porco Rosso. Ah, bah, Porco Rosso, c'est le seul anime que je regarde en français. Ouais, il est vachement C'est bien. rien que parce que le héros Porco Rosso est doublé par Jean Reno et que Jean Reno a fait un excellent boulot sur ce film et que toute l'équipe de doublage et tout autour, ils ont fait un boulot monstrueusement pharaonique, quoi. Puis l'histoire est bien. Et puis ouais, et puis bon. Mais il me semblait qu'ils allaient l'adapter en film, je crois. Là, ils sont en train de bosser sur Ghost in the Shell. Ouais, qui va Sur être loupé. Gun, c'est bon, c'est fait aussi. C'est plié, le casting il est plié. Là, il est sorti courant 2017, il me semble. Alors, Rotator, Pokémon Go, officiellement n'est pas sur PC. Mais si tu synchronises tes mains avec Google et en faisant quelques recherches, tu auras les tous les outils possibles, inimaginables pour le faire tourner sur PC. Yayan Foiro, salut! Je rigole, je crois que je me suis perdu. Qu'est-ce que vous faites là, monsieur? Qui êtes-vous? Je peux donner une adresse de site internet Oui, vas-y. pour les gens qui sont perdus. Ouh, ça sent la merde. Ça sent la. Ça c'est. Voilà. Alors je donne le site au chat. Les gars, si Oui, vous êtes perdus Rotator. sur internet. Salut Rotator, excusez-moi, je focus sur le jeu parce que voilà, il y a de l'action en permanence. Je peux pas décrocher le regard de ce putain de jeu là. Tellement de choses qui se passent. Alors, il y a une cougar sur le stream. Salut. Trouve ça chelou, il allait vite, je trouvais. De quoi? Il trouve que t'es allé trop vite. Ah. Non, non, je marche à cette vitesse. Non mais il se téléporte en fait. Il a un petit nuage magique à Shanghai, il se déplace dessus avec le PC et tout sur le bureau, il se déplace dans Paris comme ça. On est passé de mon histoire sexuelle à Jean Reno. Ton histoire a été pas sexuelle du tout. T'as juste parlé de ta copine. C'est tout. T'as juste dit que t'avais une copine. Oh, je jouis. Ah, tu le tiens, tu le tiens. C'est T'as trop regardé quoi, Harry, qu'on compte sali, toi. ça. Alors, ouais, alors, je suis au milieu d'un champ avec ma 4G. Je suis totalement paumée. Ok. Bah, cherche les Tu. Pokémon. Profites-en. Perds pas de temps, putain. Oui, re-alpha. Ah, Alpha. Comment ça? Comment ça quoi? On ne m'a même pas Mais prévenu. si, je t'en ai parlé tout à l'heure. Je t'en ai parlé tout à l'heure, Alpha. Puis vous étiez dans votre théorie crafting sur Warcraft 3 avec Lucine, donc du coup, je vous ai laissé. Hein. Bon, on m'appelle sur Skype. En plus, j'étais aux toilettes en train de pisser. En train de se faire vomir. Non, alors ça, c'est pas vrai. Alors là, non. La bouffe et l'alcool, ça coûte trop cher pour le revomir derrière. C'est pas une vampire. Et je filoche demain 5h du matin, boulot. Tu diras tout à l'heure, quoi. Et ben, bon courage. Ouais, j'avoue. Un samedi en plus. En tout cas, merci, ma poule, d'être venue. The Phoenix 642. Ah, The Phoenix. Tu te balades? Oh, putain, mais ils sont durs à Alors, rattraper ceux-là. Scorpat 13, pourquoi il attrape les Pokémon qu'il a déjà? Ça sert à rien? Non, si. Alors, ça sert à quelque chose. Parce que ça te sert à faire évoluer les Pokémon, Scorpat.
Ce qu'il faut savoir, c'est quand tu attrapes un Pokémon, vu que c'est pas des combats classiques comme sur DS ou Game Boy où tu vas combattre, il va prendre du level comme un JRPG classique. En fait, pour le faire évoluer, tu vas attraper un Pokémon et après tu vas attraper d'autres Pokémon de la même variété et tu vas récupérer des bonbons par Pokémon et c'est en donnant ces bonbons propres à chaque Pokémon que tu vas le faire évoluer, tout simplement. Donc Alpha hier nous a expliqué que pour un Magikarp, il faut 300 bonbons. Donc il faut attraper, il y a 3 bonbons par Magikarp, donc il faut 101 Magikarp pour avoir un Léviator. Voilà. J'ai perdu Black à cette tête. Non, je fais une petite retouche colorimétrique parce que je trouvais que ta caméra était un petit peu voilée. Donc voilà, je fais une petite retouche. Putain, merde, tu fais sauter mon fil Photoshop. Ah, c'est un filtre fait exprès ? Ah, d'accord. Ah, parce qu'on dirait que t'étais dans la brume, le brouillard, le fume de la chicha. C'est 400 ? Tu disais 300 hier. 3 bonbons par Magikarp. Il en faut 300. Tu disais 101 bonbons. Enfin, 100 Magikarp. Mais tu m'as menti, Alpha, ou c'est moi qui ai pas écouté ? Oh, Alpha est une chaussette. Vas-y, fais péter ta chatte. La chatte s'est réveillée, messieurs, dames. Il est temps de faire le combo avec la sucette. Ah, bah je peux inviter Alpha à la cam. Oui, après s'il rajoute sa webcam, ça va foutre la merde par contre. Bah il rajoutera pas sa cam. Oui, on peut voir. On va y des contacts. Ta tronche, à moins que tu sois en petite tenue, en soutif. T'es en soutif ? Voilà. Allez, rentre-lui. Putain, mais Strass. Putain, ah ça y est, voilà, ça a foutu en l'air mon truc. Là, c'est la merde. Mon dieu. Alors attendez, faut que je refasse du coup le truc. Alors... Quoi ? Non, mais reste comme ça, c'est pas grave. Non, il y a même pas la webcam, on s'en fout. Moi, j'en profite pour faire un bisou à ma moumoune. Salut, moumoune. Salut, Mimi. Bah, toi, rien écouté. Mais non, moi j'ai compris que c'est 3 bonbons par Magikarp. C'est les 400 bonbons pour faire évoluer les Magikarp de l'Eléviathan. Et c'est 4 bonbons par Magikarp alors. Non, c'est 3 bonbons par Magikarp, mais il en faut 100 pour après vendre les autres, qu'ils vont te donner un bonbon. Donc du coup, ça fait 400 bonbons. Ah, oh, Lekin. Là. Heureux, Lekin. Oula. Alors attendez, faut que je change ces trucs. Foutre la merde. Putain, elle bave sur ma jambe. Fraisouillez-me les sucettes. Les sucettes au coca. Exactement. Les sucettes au coca. Caca. Oh merde. Oh, on l'a perdu. Regardez-moi sa tête. En plus, elle est fière d'elle en plus. Hein. Regardez sa tête. Regardez. Elle est toute contente. Elle est contente de sa connerie. Le caca, putain. Bah tiens, rotator, vas-y, je te présente ma chatte. Elle s'appelle Chaussette. Elle a 13 ans. Elle fait les gros yeux là. J'avoue. Elle a vu un roucoule. Oh, faut pas le 216. Ok, alors, tac, du coup ça, boum. Exactement, le kill face. Ouais, la cam, et c'est plus tard, pas ce soir. Là, j'ai rien préparé. Non, mais derrière, c'est le bordel. Je suis dans le noir, donc on verra rien de toute façon. Ah merde. Oh, ça ronronne. Hein. Puis en plus, j'ai même pas dit bonjour au chat. Bonjour, le chat. Salut Alpha. Salut, ça va? Oh, le mec qui pop juste devant moi, un slow bro. Oh, vas-y, attrape. Un slow bro, montre-moi. Le mec avec la queue en coquille là. Ah, tu as chopé un Flagados. Flagados. Évolution de Ramolos. Et en fait, c'est pas vraiment une évolution parce qu'il a juste à tremper sa queue dans l'eau qu'un coquillage l'attrape et après on dit que c'est un Flagados. Ah, il est orange, hein, carrément. Et bah, tu vois, hein, une choupa et une chatte, c'est tout ce qu'il faut. Ah oui. Regarde, tout a soucié la chatte. Exactement. Putain, et Alpha est arrivé, nous sommes montés à 23. Tout va bien. Évidemment. Ah bah on tombe à 16 là. Salut Deadpool 14. Tiens Deadpool, tu en veux fait... pas qu'on fasse la journée de la femme aujourd'hui? Oh la merde.
putain, il veut pas rentrer cet enfoiré. Mais tu vas rentrer. Fais gaffe à ton cul. Voilà, c'est tout ce que j'ai à te dire. Alors. Bah, Fraise, si tu veux faire la journée de la femme, il est où l'accessoire? Tu veux qu'il aille le chercher? PPT. Non. De quoi? Non. Non, mais sur ton t-shirt, ils auraient dû le rajouter. Ça aurait été non, bien. Mais c'était le t-shirt spécial de la journée du Beach Geek Box pour la sortie de Batman vs Superman. Ah, bah oui. Je suis dégoûté, j'ai eu la box Batman, j'ai eu la box Superman au lieu d'avoir la box Batman. C'est très fort de level up en se faisant mordre la queue, le Kin. T'as tout à fait raison. Putain, mais elle me bave sur la jambe, la chatte. Vas-y, la chatte, continue à baver. Salut, Kin. Ma chatte bave. Vas-y, ta chatte mouille, continue. Et salut, Deadpool. Elle se casse. Ouais, elle est partie se mettre sur son truc, ma pochette à câble, elle adore dormir dessus. Ah, j'avais pas vu non plus, il y a Puppy Nov, il y a Snoop Dash, et Eltoine. Salut les mecs, oh là là, il y a du monde. Évidemment. Alors en MP, on me dit, arrête avec ta sucette et la chatte, ça va tirer le puceau. Mais c'est ce qu'on cherche. Elle cherche un puceau de plus de 30 ans, elle peut avoir ça. You're non. C'est les vous, c'est les puceaux de l'estream. Les pousseaux de l'estream, c'est toi. Merci. Si tu viens parce qu'il y a la chatte, c'est toi. C'est bon. Allez, le Zubat, là. Encore un os sur Allez, viens, suis-moi. Mais qui est ce drôle de Pikachu qui parle? Devine, mec. À la base, c'était une vache et qu'elle s'est fait électrifier l'anus. Du coup, c'est devenu une Pikachu. Scorpad. Bonne nuit. Roule, là. Bonne nuit, Scorpad. Les bisous, Scorpad. À la prochaine. Ah, plus tard. Enderlitz, il a perdu les droits de modération. C'est Zerou, là. Du coup, parce que j'ai perdu le fil. Je vais toujours dans la bonne direction. Mais en fait, je n'avance pas. Il y a des Pokémon partout, là. Ah, mais t'es toujours au Jardin des Plantes. Non, il est en train de bouger vers le Jardin du Luxembourg. Ah, bon. Ah, bah t'y es, là. Ouais, mais j'ai des Pokémon qui n'arrêtent pas de venir. Calmez-vous, oui, messieurs. T'as mis du muscle spécial Pokémon, donc forcément... Et plus, je suis à côté d'un leurre, donc du coup, c'est combo. Eltoine, bonsoir. Quel cosplay? Le cosplay de quoi? De qui? Mais non, il parle du Mon cosplay Pikachu. Est raté. C'est toi qui as raté. Oh, t'es pas fini à la naissance. Oh. On dit tout simplement, bercé trop près des murs. Ah bah, ça peut être les deux. Qu'elle n'est pas fini à la naissance, et après, il l'a bercé trop près du mur. Et puis le principe du cosplay, c'est que ça soit pas complètement parfait. Hein. Non, mais t'inquiète, il restera anonyme, celui qui a dit ça. Encore un ratata, mais putain, mais... C'est l'attaque des ratatas. Vache, je pourrais pas faire un truc vachement puissant, vu le nombre que j'ai, là. En fait... J'aime bien aussi l'accident poussette, rotator. Ce que tu vas faire... Cosplay infirmière Joël de Fraise. Ah, j'avoue. Oh. J'attends que tu me l'envoies, le kin. Eh, franchement, ce serait marrant que tu te mettes en Joël. Eh ben, si vous le trouvez, vous m'expédiez, hein, je vous donnerai mon adresse en MP. Bah, tout de suite, tu vas te colorier les cheveux en rose. Faites des dons pour acheter le costume. Eh oui. Il vous faut les finances. Y a pas besoin d'acheter les implants. C'est bien. Faut rajouter un peu. Mais non, y a rien. Non, la blouse, elle est plate, ça va. C'est bon. Je vais balancer mon smourbif à la gueule. C'est pas grave, je le capturerai. Ok, donc lui il a pigé. Ouais, va vers l'eau. Va vers l'eau parce que Pokémon eau. Et tu ramasses pas le Poké Centre là? Monsieur, mais je suis full là. Le penseur, voilà, Jardin du Luxembourg, ça y est, on y est. Ah oui. Ah, mais moi aussi j'habite à la campagne, j'attends juste que Pokémon soit dispo. Oh, qu'est-ce que de peiné! Voilà, je qui connecte, ça veut rien dire à mon wifi. Ah, je suis bien dans mon lit, surtout après avoir été paumé. C'est quoi ça? Oh putain! Qu'est-ce que c'est? C'est un. Je sais plus comment ça s'appelle. Un... Non, mais moi, il est d'ouf, décalage des merdas. Ah, mais tu vois pas le partage d'écran? Ah, bah oui, je partage qu'à fraise. Ah oui. C'est les bombes antipersonnelles violettes, là. C'est les Smogogo, celui que j'ai cherché tout à l'heure. Tu te souviens, celui d'hier, le gros? Ah, c'est lui, là? C'est lui. Oh, Pokémon c'est Poison. C'est Gotcha. Smogogo. Ouais, oui, il c'est Gotcha. Smogogo, et Smogogo, il a trois têtes, non? Il y a un truc comme ça. Ah, c'est lui, là, c'est le Smogogo, il a deux têtes. D'ailleurs, je pourrais, moi, me faire un cosplay de Joël. Oh, oui.
Avec Oh des non, gros non, non. livards, là, qui voient, mais boum. Non, toi, je te vois plus, en inspecteur Jenny. Bougez pas, je prépare mes seins. Oh putain, c'est quoi ça? Ça, c'est les chaussettes. Non, c'est un truc à langue, je sais plus. Putain, mais j'ai plus les noms. Excellent. Excellent. C'est un Likitung. C'est un. Le lécheur fou. C'est vrai qu'il en puisse. Le smoke gogo, si t'en cherches, y'en a plein en juif. Mais c'est clair, ça fait scandale et tout. Ah oui, j'ai vu ça, ouais. Là, 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 là. Moi, j'aurais plutôt mis des les miaous parce qu'ils aiment bien l'argent, les miaous. Mais putain, bon, mais... après, ça regarde non, que moi. Ça va vraiment trop loin, l'alpha. Bah quoi? C'est pas pire que les smogogo. Ah, il est dur à attraper, avec ses langues. Ouais, ouais, mais je crois qu'il compte dans les Pokémon rares, un truc comme ça. Putain, je vais reprendre la table des Pokémon rares. Putain, mais tu vas rentrer, mon gros. Ah, t'essayes plus de faire les effets? Non, Pokémon ah, rare. Putain! Oui, donnez une sous-set à cet excellent langue. Il a donné un coup de langue, j'ai pas l'habitude. Moi, je gère avec autre chose, d'habitude. Comprenez? C'est à toi qu'on... T'es sûr que c'est pas à toi qu'on donne les coups de langue? Ah, bon putain! Lieu. Mais sa langue est trop grande, moi, je peux pas rivaliser, là. Ah, bah oui. C'est trop beaucoup, trop beaucoup. Ah, putain, mais... Oh, putain... Merde, vas-y, je vais faire un effet. Et je vais te niquer la gueule. Allez, les effets. Prends dans tes dents. J'espère qu'il va pas se barrer. Oh putain, mais. Ah, on m'a Boom. Prouvé. Mais non, mais ça, c'est pas l'infirmière Joël, c'est le garde champêtre. Ça vaut combien? Oui! Eh, 70 oui. euros, il vaut plus cher que mon costume de Sailor Neptune que je veux acheter, laisse tomber. Sailor Neptune. Ouais. C'est ma Sailor préférée. C'est la bleue, non? C'est alors attends. Eh oui, c'est juste elle. Au-dessus, putain. Elle est partie la chercher, merde. Ah oui, c'est la bleue, cheveux courts, ouais. Non? Non, c'est celle qui a les cheveux longs, les cheveux verts qui ah, fait oui. du violon. Ah oui, c'est l'autre Mylène, c'est en Sailor Mars, je crois, non? Non, à droite, c'est de ce côté-là, tu as Sailor Pluton, et à gauche, c'est Sailor Uranus, et au centre, c'est Sailor Neptune. D'accord. Tout ça, ah, au sur centre, Sailor. Donc, elle a pas les cheveux courts, là? Bah, c'est elle, là, celle-là, ouais. là-bas, celle de l'autre côté, c'est Uranus qui a les cheveux courts. Tu vois, c'est elle qui a les cheveux courts. Uranus. Neptune a les cheveux longs, et Pluton a les cheveux super longs. Il n'y avait pas dans les Sailor une fille qui était les cheveux courts? Mais brune? Oui, alors tu confonds avec Ami qui est Sailor. C'est Sailor Pluton. Qui ah bon Manilo. D'accord. En fait, elle est Sailor première génération. Donc Sailor Moon, Sailor Mars, Sailor Pluton, Sailor Vénus et Sailor Jupiter. Et après, dans la saison suivante, tu as Sailor Pluton qui contrôle le temps qui s'est greffé. Ensuite, t'as Sailor Neptune et Uranus qui sont greffés au-dessus. Après, t'as eu Sailor Shibimoon qui est apparu. Et ensuite, t'as Sailor Saturne qui est dans le dernier arc. Dans l'avant-dernier arc, parce que l'un des derniers arcs, c'est Sailor Terre qui vient de disparaître. Ma la fraise, elle fait les pandas avec les bras. Un jour, pour trouver un Pokémon haut, j'ai cherché dans mon bain. Ah oui. Tu peux trouver les Pokémon haut dans les bains ou dans la couvette des chiottes. Et ça finit avec Sailor Lolicon. Il est con, Lukin. Oh là là. Si on n'avait pas notre Lukin, on l'inventerait. Ah, évidemment. Il faudrait bon. Des expériences. Hein. Et pendant ce temps-là, tranquillement. Il y en a un qui capture ses Pokémon. Ah, moi je capture. Moi, genre, excusez-moi si je vous dérange, hein, c'est pas grave. Je suis un bon chasseur, moi. Ah oui, mais j'ai pas vu le début, alors est-ce qu'il est autant le chatteux que hier? Ah, merde. Non, parce que hier, après que je sois laissé le Skype, mon dieu, qu'est-ce que tu as chatté? Ah, bah je crois que j'ai chopé les bons trucs. Hein. J'ai chopé, bah je peux te montrer, je crois que j'ai chopé des trucs que t'avais pas vu. Attends, je vais te montrer ça. Bien utilisé, Pokémon les plus rares. Ah! Tiens, je t'envoie un lien, mon petit Blacky. C'est le classement des Pokémon les plus rares. Et tu vois, ton excellent langue.
Ton excellent langue, il est classé dans les very, very rares que t'as chopé. Putain, c'est bon ça. Bah ouais. Bah non, mais j'ai bientôt fini le jeu, hein, je pense. On verra quand t'auras chopé Mewtwo. Mais le mec là qui avait tous les Pokémon là, je crois qu'il lui en manquait un parce que il y en a un qui est en Europe, si j'ai bien compris. Il a tous les Pokémon qu'il peut capturer. Il en a 141. Oui. Oui, donc il lui en manque plusieurs, ouais. Bah évidemment. Oui, oui. Il lui manque les canardichos, il lui manque le kangourek. Le canardichos, c'est le Jap. Il lui manque le kangourek. Le mec serait capable de se faire un voyage juste pour choper son Pokémon. Et il lui manque le Monsieur Mime. Qui est le Pokémon européen. Côté du lait, là. Ok, my bag is full. C'est d'accord. Donc, Pokédex. Essaie de faire évoluer ton... J'ai ton le bulle bizarre. J'ai chopé ça, c'est le dernier que j'ai chopé. Ah, c'est un chrysalide, un Kakuna. Qui il se transforme en papillusion. Chrysacier. Voilà. D'accord, ensuite j'ai chopé quoi? Oh, un Aspico. Un Aspico, ça là, je sais pas si tu l'avais vu ça. Non, on peut pas mettre le lien sur ton Twitch. Si, on peut le mettre, mais moi je le vois moi. Bah oui, mais moi ça m'a fait deleted link. Ah bah oui, mais moi je peux les passer. Oui, elle peut les passer. Ouais. Parce que les Shingron, ils veulent le lien des Pokémon rares. Oh, alors attends, je donne le tableau des Pokémon. Voilà. Il y a des gens qui se ramènent avec les Mamen. Ça veut dire qu'ils voient les. Et dis donc, la jupe de l'infirmière Joël, c'est pas plus... ils ont pas confondu ça avec une ceinture, le Kin? Ah oui. Ah, et Pikachu, c'est spécial. D'accord. Bizarre. Ok. Mais c'est très intéressant. Encore un Mimitos. Mais non, je vais pas faire des tournements de mineurs avec ma sucette. Mais non. Elle a déjà détourné sa chatte de Droshema. Je crois que c'est tout. Je sais pas si tu l'avais vu, le petit serpent, là. Dratini. Oh, je l'ai en shiny, celui-là. Il est super beau, il est tout rose. Mais il est dans ma sauvegarde. C'est là, à l'heure actuelle, il y a que 147 Pokémon. Oui. Il y en a combien au total, des Pokémon? 150. Bah. Ah, de quoi? De la version 1 ou... Ouais, tout cumulé. Oula, oh. Beaucoup trop. Beaucoup trop, combien? Je pense qu'on doit... On a dépassé les 1000 déjà, je pense. Ouais, parce c'est que nous, on a... Ouais. Putain. Oui, mais la jupe, elle est vachement plus courte sur le cosplay que tu m'envoyais. Hey, tiens, un Draco. C'est pas terminé, hein, Pokémon. C'est que le début. Du coup, j'ai été tenté de tester le jeu Ingress, c'est ça? Ouais. J'ai bien envie de le tester aussi. Métamorph n'est pas disponible, Shrigon. Ah, il est pas dispo? Non, il faut que j'en chope un dans le milieu des Pokémon X. Il est sur Windows Phone. Comment ça? Oh putain! Oh putain! Attends. Elle se précipite. Boum, un orgasme. Boum, elle le trouve. Boum, double orgasme. Boum, multi-orgasme. Merci Strass. Tu as fait jouir la Fraiseberry. Bah, c'est simple, sur la webcam, on va voir de l'eau. Voilà, elle va faire une attaque pistolet à eau. Et si jamais il a menti et que c'est pas sur Windows Phone, qu'est-ce que tu lui fais à Strass? Je le théo pendant 6000 secondes. Voilà. Ouais, bah y est pas. Bon, bah, t'as gagné, Strass. À Kalen, il... T'as gagné un tour gratuit. À Kalen, il regarde trop les vidéos des mecs sur YouTube. Bande de débiles. Mais non, mais j'ai fait exprès. J'ai fait exprès pour que ça te retombe sur ta gueule. Je peux? Oui. Ah oui, vas-y, vas-y. Et bim! Three times! Combo! Et là, tu vois, tu fais ça. Tu fais le rip. Comme ça. Comme ça.
Ah oui, tu t'es abonné, toi? Bah, je suis toujours abonné. Depuis le début. Bah, attends, une modérateur, qu'elle n'est pas abonnée, quand même. Opal aussi, il est abonné. Je lui parlais même pas. Il te parlait même pas. Il trollait Underlitz. Eh bah, fallait pas troller. Ah, mais tu l'as des timeouts? Oui, quand oh, même. Oh, elle est gentille. Bon, maintenant, suite totale et absolue. Bah oui. Les boules de feu. Non, c'est pas un pack-pack, le mec qui parle. C'est ton pire cauchemar. Ouais. Akalen. Salut, Akalen. Salut, Akalen. Alors, est-ce qu'on peut choper un Pokémon voilà, qui serait quelque part un petit peu rare ou mystique? Oh, Akalen, il fait le rigolo, quand même, hein. Il fait les blagues. Il en vrai, je lis cette phrase. Salut les bros. Salut bro. Salut Brodo. Toujours Jardin du Luxembourg, j'y crois pas. Bah oui, attends, c'est tellement grand, puis il y a tellement des Pokémon puissants que je reste un peu. C'est la puissance. Ah bah oui, attends. Et sinon, je fais évoluer un truc ou pas? Bah vas-y, fais-toi plaisir. Le Ratata. Déjà, il faut trouver celui qui a le plus gros PC. C'est ce que je disais tout à l'heure. CP, pas PC. Oui, non, mais PC. Parce qu'à l'heure actuelle, celui qui a le plus gros PC ici, c'est quand même Black, hein. C'est pas. Black. C'est le Slowbro qui a 409, là. Et bah, Shrigon, c'est pas grave, ça. Le Black, il a quand même comme le Archimonde, il a la titane de l'EX. Le quoi? Pas compris. Excusez-moi. Hein. Je n'ai pas un cerveau qui fuse aussi vite que le vôtre. Non, personne n'a vu le truc que tu as paumé, Fred. Bah, je cherche la télécommande de mon ventilateur. Donc ça, je suppose que je peux pas le faire. Attends. C'est quoi Power Up? Power Up, c'est augmenté, non? Oui. Oh oui. Oh, t'as un joli Flagados. Bah oui. Flagados. Ah oui, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est P409, il est joli. Ah oui, le Slowbro, ouais, le Slowbro. Ratatak, pas mal. Et Power Up, là, si je le fais sur le Slowbro, ça fait quoi? Bah, tu peux. Ah, oh, si, tu peux lui donner tes bonbons, mais t'en as pas. Moi, je serais toi, Power Up, c'est pas plutôt augmenter la force? Non, tu leur donnes un bon bec, en fait. Ah, elle était rangée. Putain. Pitié. Pourquoi Dieu a-t-il créé la fraise? Oui, j'ai Pikachu. C'est quoi ces posters pédopornographiques derrière? Alors, c'est mes posters, et à mon avis, ils sont vachement plus âgés que toi. Tu mangeais encore ton coca quand je les ai achetés, ces posters. Ouf. Du respect. Ouf. Salut la cave 2008. Salut voisin. Ah oui, parce que la fraise, elle est anti-mire. Ouais, ouais. Et anti-hubble aussi. Ah oui, salut la cave. C'est la cam de madame. C'est pas un poster, c'est une vidéo. Ça, c'est la sûr. T'es en train de dire que Fraise est un. Est un pédo. Fraise est un pédo. Voire deux pédos. Un pédalo. Oh, excellent. Ami du jeu de mots, bonsoir. Mon dieu, elle a fait une énorme blague. Alors, j'en fais quoi? Je fais Power Up ou pas? Hein oui, bah, je crois que ça te coûte un bonbon et s'ils sont poussière. Et c'est grave, docteur? Mais non. Donc j'y vais. Mais vas-y. Et ça va faire quoi? Bah, on va voir. tu noteras qu'on est à 29 viewers. Allez. Les gars, si on passe à 35 viewers, je montre mes genoux. Oh. et si on passe à 36? Bah, elle montre sa chatte je sur montre les genoux. Je montre mon pied. Ah oui, ma chatte sur les genoux. Ah merde, on est retombé à 27, ça les intéresse pas. Et là, t'as dit ma chatte sur les genoux, je vois la tête du chat qui passe au-dessus du deuxième écran. Bon, on parle de moi. On m'appelle. C'est l'heure de la chatte. Voilà, encore la justice.
À accomplir. Le kin, je sais que tu voues un culte sans nom à ma chatte. Évidemment. Moi, je préfère ta chatte à tes genoux. Ah oui, tu m'étonnes. Tu vois, du coup, ça a augmenté tes CP, donc c'est bien. Là, va, je dois ramener des amis, je veux voir des genoux. Ben vas-y, ramène. Déjà, faut battre mon record qui est de 30 viewers. Bon, oh, t'inquiète, on va le faire. Et après, c'est les coups. Déjà, t'es hosté sur ma chaîne et sur la chaîne JDR. Et la mienne. Ah, mais c'est bien. Alpha, t'as sûr. Merci. Bah oui, je l'ai fait avant le début de ton stream tout à l'heure. C'est pour ça que je savais que t'étais en retard. Mais en fait, j'étais pas en retard. Moi, pour moi, c'était 9h, quoi. Trois bitches à nos horaires. Non, nos horaires, c'est 9h, on commence à dire de la merde, et 22h, on commence. Improbable de larver sur Twitch à cette heure et de tomber hors contexte sur vos derniers échanges. Bienvenue dans le monde des bras cassés et de tout l'univers qui l'entoure. Salut, Tree. Malheureusement, tu as une fusion entre un univers qui est la team bras cassé et l'ordre de la chatte, et ça fait fusion. Et ça fait les bras de la chatte. Ah. Exactement. Et ça fait Blacky Chou. Exactement. Et mec, arrête ton putain d'accent, s'il te plaît. Il aime pas ton accent. Bah, il m'en fout. Mais on s'en fout complètement. Oui, c'est ça, 21h l'écran d'attente, 21h30 on est au complet, et 22h on commence. Ah putain, et lui je peux le faire évolve là, Ratata. D'ailleurs, faut qu'on dise le générique, Black. Pardon ? Faudrait qu'on plus tard. Ah plus oui, tard. Oui. Oui, non, trouve le Ratata qui a le plus gros nombre de CP déjà. Ah, il y a Deadpool 14 qui souhaiterait avoir ton Pikachu. Tu veux que je te montre mon Pikachu? Non mais on se connaît pas assez. Pikachu. Montre ton gros Pikachu aux gens. Tu le vois pas là, il est pas assez gros à l'image. En fait, Deadpool, pour l'avoir le Pikachu, c'est simple. Quand tu commences le jeu, tu débutes le compte, normalement tu commences avec 3 starters. En fait, il ne faut surtout pas prendre les 3 starters. Il faut marcher quelques centaines de mètres et là, un Pikachu va apparaître et c'est là que tu choperas le Pikachu. En fait, les starters apparaissent 3 fois et après la 3e fois, t'as le Pikachu qui apparaît. Exactement. Ah, il a qu'une seule évolution, Pikachu. Évidemment, il a le Raichu. D'accord. Ah bah, qu'est-ce que tu joues à un jeu pourri comme PD aussi, la cave? Reste sur le stream, ramène tes copains. Fais-nous un putain de générique, bordel. Mais non, les gars, je travaille pas pour vous non plus. Tu avais dit que tu nous ferais un générique. PD, c'est pas un jeu de merde. Moi, je pensais qu'on allait y passer du temps, effectivement, mais ça m'a surpris. PD, c'est pas un jeu de merde, regarde. Ouais. Ils viennent de faire un JDR dessus. C'est pas un jeu de merde. Eh oui. Ah, le JDR Pokémon? Mais non, le JDR que vous avez fait avant. Ah oui, c'était... oui. C'était un remake de Payday, hein. Ah bah, ça je te rejoins, Stras. Le meilleur starter, c'est le Dracaufeu. De tous les Pokéfions. Ah bon? Ouais, mais je suppose que Pikachu, après, faut que tu le chopes pas comme ça non plus. Hein? Non. Bon, après, tu peux tous les choper, donc c'est pas grave. Ouais, bah, faut vadrouiller, quoi. Tiens, un autre couillon, là, avec sa langue. Ah, bien. Le kin. T'as cru qu'on... falloir payer, mon pote. Oh putain, vous êtes grave. Un remarque. Alors, de PD, de quoi? Je comprends pas ce qu'il se dit. Avant de faire évoluer tes Pokémon et d'utiliser ta poussière d'étoile, attends d'arriver vers le niveau 18-20 et de choper des Pokémon avec énormément de CP, ça sert à rien de les évoluer maintenant avec si peu de PC. Mais il s'en fout, mais... En plus, le Flagados, il avait assez de CP pour le faire évoluer déjà. Ah merde, je crois que ça a bugué. Oh merde. Oh, c'est con. Merde. Vous avez été banni du serveur. Un petit GPS a été détecté. Nous avons détecté la feignasserie dans votre regard. Vous ne pouvez plus jouer. Allez plutôt faire votre cardio. Aspifouette. Je sais ce que je vais faire. Je suis un renard perdu sur un live de deux bras cassés qui aime chaussette la sainte chatte. Exactement. Je sais ce que je vais faire. Je vais aller me chercher un café. Je sens que ça va le débloquer. Tu mets une petite pause? Non, je vous laisse le live. Ah non. Alors, Shark, déjà tu me traites pas de débile, ouais. Merci. Et ensuite, le Flagado s'est déjà évolué, certes, mais tu peux augmenter ses CP quand même. Donc on s'en fout. Tu veux que je mette une pause?
Ah bah vas-y, ok, je mets une pause. Merci. Attends, je désactive ta cam. Bah oui. Voilà. Tac, ah, voilà, c'est bon. Vas-y, fais-toi plaisir.